sûr, bonjour, bonjour, bonjour. Moi, je n'entrerai pas. Oui, bon. C'est sûr. J'aurais bien mieux aimé vous rencontrer dans une autre circonstance, mais l'enfer est pavé de bonnes circonstances, alors c'est plutôt difficile de prévoir. La mort, ça ne se prévoit pas. La mort n'a pas de parole. Elle détruit toutes ses promesses. On croit qu'elle viendra plus tard, puis elle vient quand elle veut. J'aimais votre mère. Je vous dis ça comme ça dans mon art, j'aimais votre mère. Elle m'a souvent parlé de vous. En fait, pas souvent, mais elle m'a déjà parlé de vous. Un peu parfois, comme ça. Elle disait les jumeaux, la jumelle, souvent aussi le jumeau. Vous savez comment elle était. Elle ne disait jamais rien à personne. Je veux dire, bien avant qu'elle ne se soit mise à ne plus rien dire du tout. Déjà, elle ne disait rien. Et elle ne me disait rien sur vous. Lorsqu'elle est morte, il pleuvait. Ça m'a fait beaucoup de peine qu'il pleuve. Dans son pays natal, il ne pleut jamais, alors je ne vous raconte pas le mauvais temps que ça représente pour un testament. C'est sûr, un testament, c'est pas comme un oiseau. C'est sûr, c'est étrange, mais nécessaire. Je veux dire, ça reste un mal nécessaire. Excusez-moi. Selon la volonté du testateur et conformément aux règlements et aux droits de Madame Nawal Marouan, le notaire Hermine Lebel est institué exécuteur testamentaire. Je tiens à vous dire que c'était là la décision de votre mère. J'étais personnellement contre. Je le lui ai déconseillé, mais elle a insisté. J'aurais pu refuser, mais je n'ai pas pu. Tous mes biens seront légués équitablement entre Jeanne. Et Simon Marouan. Enfant jumeau, né de mon ventre. À mon ami, le notaire Hermine Lebel, je lègue mon stylo plume noir. À Jeanne, je lègue la veste en toile verte avec l'inscription 72 à l'endos. Et à Simon, je lègue le cahier rouge. Enterrement. Au notaire Hermine Lebel, notaire et ami, emmenez les jumeaux. Enterrez-moi toute nue. Enterrez-moi sans cercueil, sans habit, sans écorce, sans prière. Et le visage tourné vers le sol. Déposez-moi au fond d'un trou, face première contre le monde. En guise d'adieu, vous lancerez sur moi, chacun, un seau d'eau fraîche. Puis vous jeterez la terre et scellerez ma tombe. Pierre et épitaphe. Au notaire Hermine Lebel, notaire et ami. Aucune pierre ne sera posée sur ma tombe, et mon nom gravé nulle part. Pas d'épitaphe pour ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, et une promesse ne fut pas tenue. Pas d'épitaphe pour ceux qui gardent le silence,
et le silence fut gardé. Pas de pierre, pas de nom sur la pierre, pas d'épitaphe pour un nom absent sur une pierre absente, pas de nom. À Jeanne et Simon, Simon et Jeanne. L'enfant, c'est un couteau planté dans la gorge. On ne le retire pas facilement. Jeanne. Le notaire Lebec te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi. Elle est destinée à ton père. Le tien et celui de Simon. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon. Le notaire Lebec te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi. Elle est destinée à ton frère. Le tien et celui de Jeanne. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Lorsque ces enveloppes auront été remises à leur destinataire, une lettre vous sera donnée. Le silence sera brisé et une pierre pourra alors être posée sur ma tombe. Et mon nom sur la pierre, gravé au soleil. Elle nous aura fait chier jusqu'au bout. La salope! La vieille pute! La salope de merde, l'enfant de chienne! L'enculé de sa race! Elle nous aura vraiment fait chier! On se disait depuis si longtemps, elle va crever. Elle arrêtera de nous emmerder, la tabarnak! Et là, bingo! Elle crève. Et puis, surprise! C'est pas fini! Elle a bien préparé son coup, bien calculé ses affaires, la crise, aussi que je n'ai pas vu venir. On va l'enterrer face contre terre, et on va y cracher dessus. En tout cas, moi, je vais cracher. Elle est morte, et puis juste avant de mourir, elle s'est demandé comment elle pouvait faire pour nous fucker encore plus l'existence. Elle s'est assise. Elle a réfléchi. Et puis elle a trouvé... faire son testament. Son calice de testament. Elle l'a rédigé il y a 5 ans. J'en ai rien à foutre de quand elle l'a rédigé, ok? Écoutez, je comprends. Mais qu'est-ce que... Je veux dire que c'est quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, personne, mais quand même, qui a été quelqu'un. Qui a été jeune, qui a été adulte, qui a été vieux, puis qui est mort. Alors il y a forcément une explication au milieu de tout ça. Je ne vais pas pleurer. Je vous jure que je ne vais pas pleurer. Quand est-ce qu'elle a pleuré pour moi? Hein? Pour Jeanne? C'est pas un cœur qu'elle avait dans le cœur, c'est une brique! On ne pleure pas pour une brique! Pas un cœur, une brique, putain! Bon, écoutez, je ne veux plus rien savoir. Et là, pourtant, elle est un souhait, votre gars. Vos prénoms sont là, pour ses dernières volontés. Big deal que nos prénoms soient là. Big deal, on est ses enfants et vous en savez plus sur elle que nous. Big deal. Les enveloppes, le cahier, l'argent. Mais je m'en fous de son argent. J'en ai rien à foutre de son cahier. Si elle pense m'émouvoir avec son crise de cahier, c'est la meilleure celle-là. Retrouve ton frère et ton père. Pourquoi elle ne les a pas retrouvés elle-même si c'était si important? Pourquoi dans son putain de testament, elle ne dit pas une seule fois le mot « mes enfants », le mot « mon fils », « ma fille » pour parler de nous? Pourquoi elle dit « les jumeaux », « la jumelle », « enfant né de mon ventre », comme si on était un tas de vomissures, un tas de merde qu'elle a été obligée de chier? Pourquoi?
Écoutez, je comprends. Mais qu'est-ce que tu comprends, tête de blanc? Je comprends très bien qu'après avoir écouté ce qu'on vient d'écouter, on puisse se retrouver les quatre jambes en l'air en se demandant ce qui se passe, qui on est, pourquoi pas nous. Bon, écoutez, j'ai un combat de boxe dans 10 jours, ok? Fait que je ne veux plus rien savoir. On va aller dans un salon funéraire. On va acheter un cercueil. On va la foutre dans le cercueil. On va mettre le cercueil dans le trou. La terre sur le trou et une pierre sur la terre et son nom sur la pierre. Et qu'on en décrise toute la gamme. C'est impossible. Ce ne sont pas là les dernières volontés de votre mère. Et je ne permettrai pas qu'on aille à l'encontre de ses volontés. Mais tu es qui, toi, pour aller à l'encontre? Je suis malheureusement son exécuteur testamentaire. Et je n'ai pas la même opinion que vous sur cette femme. Mais comment pouvez-vous l'en prendre au sérieux? Enfin, je veux dire, pendant 10 ans, elle passe ses journées au palais de justice à assister à des procès sans fin, de tordus, de vicieux et d'assassins de tout genre. Et puis du jour au lendemain, se tait, ne dit plus mot. 5 ans sans parler, c'est long en tabarnak. Plus un son, plus une parole ne sort de sa bouche. Elle pète un câble, une fuse, un plomb si vous préférez. Et elle se vante un mari encore vivant, mort il y a des lustres, et un autre fils qui n'a jamais existé. Parfaite fabulation de l'enfant qu'elle aurait voulu avoir, de l'enfant qu'elle aurait été capable d'aimer, la salope. Si après tout ça, vous êtes capable de me parler de dernière volonté. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Vous avez raison. Elle s'est tue pendant longtemps sans que l'on comprenne pourquoi. Mais l'autre jour, elle a reparlé. Et vous ne pouvez pas me dire que c'était une coïncidence, un effet du hasard. Le jour et l'heure de votre anniversaire, elle se remet à parler. Et elle dit quoi? Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. C'est pas habituel comme phrase. Elle a pas dit « Coudon, je demanderais bien un hot dog relish moutarde » ou « Bedon, passez-moi le sel ». Non. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. L'infirmier l'a entendu. Il l'a entendu. Pourquoi il l'aurait inventé? Les enveloppes sont avec moi. Je vais les garder. Vous ne voulez pas en entendre parler pour aujourd'hui. Mais Rome ne s'est pas construite en plein jour. Faut se laisser du temps. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Je ne peux pas dire aujourd'hui combien d'entre vous passeront à travers des épreuves qui vous attendent. Les mathématiques, telles que vous les avez connues jusqu'à présent, ont eu pour but d'arriver à une réponse stricte et définitive en partant, toujours, de problèmes stricts et définitifs. Les mathématiques dans lesquelles vous vous engagez en suivant ce cours d'introduction à la théorie des graphes sont d'une toute autre nature puisqu'il sera question de problèmes insolubles qui vous mèneront toujours vers d'autres problèmes tout aussi insolubles. Les gens de votre entourage vous répéteront que ce sur quoi vous vous acharnez est inutile. Votre manière de parler changera, et plus profondément encore, votre manière de vous taire et de penser. C'est cela précisément que l'on vous pardonnera de moi. On vous reprochera souvent de dilapider votre intelligence à des exercices théoriques absurdes plutôt que de la mettre au profit de la recherche contre le sida ou d'un traitement contre le cancer. Vous n'aurez aucun argument pour vous défendre, car vos arguments eux-mêmes sont d'une complexité théorique absolument épuisante. Bienvenue en mathématiques pures, c'est-à-dire au pays de la solitude. Introduction à la théorie des graphes. Prenons un polygone simple à 5 côtés, nommés A, B, C, D et E. Nommons ce polygone le polygone K. Imaginons à présent que ce polygone représente le plan d'une maison où vit une famille et qu'à chaque point de cette maison est posté un des membres de cette famille. Remplaçons un instant A, B, C, D et E
par la grand-mère, le père, la mère, le fils et la fille, vivant ensemble dans le polygone K. Posons alors la question de savoir qui, du point de vue qu'il occupe, peut voir qui. La grand-mère voit le père, la mère et la fille. Le père voit la mère et la grand-mère. La mère voit le père, la grand-mère, le fils et la fille. Le fils voit la sœur et la mère. Enfin, la fille voit la sœur, le frère et la grand-mère. On appelle cette application l'application théorique de la famille vivant dans le polygone K. Maintenant, enlevons les murs de cette maison et traçons des arcs uniquement entre les membres qui se voient. Le dessin auquel nous arrivons est appelé graphe de visibilité du polygone K. Il existe donc trois paramètres avec lesquels nous jonglerons au cours des trois prochaines années. Les applications théoriques des polygones, les graphes de visibilité des polygones, enfin, les polygones et leur nature. Le problème est le suivant. Pour tout polygone simple, je peux facilement, comme nous l'avons démontré, tracer son graphe de visibilité et son application théorique. Maintenant, comment puis-je, en partant d'une application théorique, celle-ci par exemple, tracer le graphe de visibilité et ainsi trouver la forme du polygone concordant? Quelle est la forme de la maison où vivent les membres de la famille représentés par cette application? Essayez de dessiner ce polygone. Vous n'y arriverez pas. Toute la théorie des graphes repose essentiellement sur ce problème pour l'instant impossible à résoudre. Or, c'est cette impossibilité qui est belle. C'est sûr. Il y a des fois comme ça dans la vie, il faut agir. Je suis content que vous soyez revenu. Content pour votre mère. Vous avez l'enveloppe ? La voici. Cette enveloppe n'est pas pour vous, mais pour votre père. Votre mère souhaite que vous le retrouviez et que vous la lui remettiez. Elle vous livre aussi cette veste, en point vert, avec le numéro 72. Vous croyez que votre père est encore en vie? En mathématiques, 1 et 1 ne font pas 1,9 ou 2,2, ils font 2. Que vous y croyez ou pas, ils font 2. Que vous soyez très heureux ou bien de mauvaise humeur, 1 et 1 font 2. Nous appartenons tous à un polygone, monsieur Lebel. Et je pensais connaître ma place à l'intérieur du polygone auquel j'appartiens. Je pense être ce point qui ne voit que son frère, Simon, et sa mère, Nawa. Mais j'apprends aujourd'hui que du point de vue que j'occupe, je puisse aussi voir mon père, que je pensais mort. J'apprends aussi qu'il existe un autre membre de ce polygone, un autre frère. Le graphe de visibilité que j'ai toujours tracé est faux. Quelle est ma place dans ce polygone? Pour résoudre, il me faut tracer une conjecture. La conjecture, c'est que mon père est mort. Oui, ça, c'est la conjecture. Tout porte à croire qu'elle est vraie, mais rien ne la prouve. Je n'ai pas vu son corps, pas vu son cercueil. Il se pourrait donc, entre 1 et l'infini, que mon père soit encore en vie. Au revoir, monsieur Lebel. Jeanne! Oui, allô, Jeanne. Je ne sais pas si vous le saviez, mais votre père a rencontré votre mère lorsqu'elle était très jeune. Oui. Oui, je ne sais pas si vous le savez. Oui, mais non.
Je t'ai appelé toute la nuit. J'ai couru toute la nuit. Je savais que j'allais te trouver au rocher aux arbres blancs. Je voulais le hurler pour que tout le village l'entende, pour que les arbres l'entendent, pour que la lune et les étoiles l'entendent. Je ne pouvais pas. Je dois te le dire à l'oreille. Après, je ne pourrais plus te demander de rester dans mes bras, même si c'est ce que je veux le plus au monde. Même si j'ai la conviction que si je suis à l'extérieur de toi, je ne demeurerai jamais un prétexte. Et même si, à peine sortie de l'enfance, je t'avais trouvé toi. Et qu'avec toi, je tomberais enfin dans les bras de ma paix. Je ne pourrais plus rien te demander. C'est un vertige, n'est-ce pas? C'est un gouffre. C'est comme la liberté aux oiseaux sauvages, n'est-ce pas? Quand j'ai entendu la vieille Edham me le dire, un océan a éclaté dans ma tête. Une brûlure. Mais Edham se trompe peut-être? Edham ne se trompe pas. Elle m'a promis qu'elle ne dira rien. Ce ne sont pas ses affaires, elle a dit. Dans 2 semaines ou plus tard, on ne pourra plus le cacher. On ne le cachera pas? On tuera, et toi le premier. On leur expliquera. Tu crois vraiment qu'ils nous écouteront? De quoi tu as peur, Néwev? Tu n'as pas peur, toi? Pose ta main. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si c'est la peur. Je ne sais pas si c'est le bonheur. Je ne sais pas si c'est le malheur. Où serons-nous, toi et moi, dans 50 ans? Néwev, écoute-moi. Cette nuit est un cadeau. Je n'ai peut-être pas de tête pour dire ça, mais j'ai un cœur. Il est solide. Il est patient. Ils crieront. Nous les laisserons crier. Ils injurieront. Nous les laisserons injurier. Peu importe. À la fin, après leurs cris et leurs injures, il ne restera que toi, moi, et un enfant de toi et de moi. Ton visage, mon visage dans le même visage. J'ai envie de rire. Ils me frapperont. Et moi, toujours, j'aurai un enfant au fond de ma tête. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Rentre chez toi, Noël. Attends qu'ils se réveillent. Quand ils te verront, à l'aube, assise à les attendre, ils t'écouteront. Parce qu'ils sauront que quelque chose d'important est arrivé. Si tu as peur, pense qu'au même moment, je serai chez moi. Et je leur dirai. L'aube approche. Pense à moi comme je pense à toi. Et ne te perds pas dans le brouillard. Mais n'oublie pas. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Cet enfant ne te regarde pas, Nawal.
Il est dans mon ventre. Oublie ton ventre. Cet enfant ne te regarde pas. Ne regarde pas ta vie, ne regarde pas ta famille, ne regarde pas ta mère. Je mets ma main là, je vois déjà son visage. Ce que tu vois ne compte pas. Cet enfant n'existera pas. Il n'est pas là. Et quand il sera là? Il ne sera pas là. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, tu portes un enfant. Ilham n'est pas ta mère. Elle me l'a dit. Peu importe ce qu'il y a pu te dire, Ilham. Je ne comprends pas. Sèche tes larmes. C'est toi qui pleures.